maintenir le fonctionnement d'Internet. Au détour d'un débat citoyen, l'instant d'une matinée, les passionnés d'Internet de Parakou sont ensemble. À travers sa branche, au Bénin, Internet Society, une organisation qui milite pour le développement et l'accessibilité à Internet, les convie à des réflexions autour de quatre grandes problématiques en lien avec Internet et son utilisation. La toute première, c'est de s'expliquer entre participants ce que c'est que Internet. Qu'est-ce que Internet offre? Pourquoi est-ce qu'il faut utiliser Internet? Et qu'est-ce qu'on perd si on n'utilise pas Internet? Deuxièmement, on va essayer d'aborder ensemble ce grand Internet qui permet de relier les Béninois aux Américains, aux Chinois, aux Japonais. Comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut un gouvernement pour diriger tout ça? Est-ce qu'il faut un président? Ou comment est-ce qu'il faut, en quelque sorte, diriger ça? L'autre débat que nous allons faire, c'est concernant les services. Chacun avec ce profil de métier a sûrement envie de voir un service naître sur Internet. Le quatrième débat que nous allons faire, c'est justement le contrôle de nos données aujourd'hui pour essayer de réduire un peu les risques, d'accord, et les dommages que le contrôle de nos données à caractère personnel peut avoir sur notre personne humaine. Des préoccupations d'intérêt qui contribuent à une utilisation saine et responsable de l'outil Internet. Un débat du genre, c'est vraiment important, surtout concernant l'Internet, parce que je suis un passionné des nouvelles technologies d'information. Donc je pense qu'ici, on pourra trouver des idées qui vont nous permettre de mieux utiliser Internet. Toute initiative à l'image de la présente qui s'inscrit dans une démarche avant-gardiste de l'utilisation non perverse de Internet est salutaire et à encourager. Pour faire du Bénin, la plateforme des services numériques de l'Afrique de l'Ouest pour l'accélération de la croissance et l'inclusion sociale, nous ne pouvons pas nous passer de l'outil indispensable qu'est l'Internet. Donc cette rencontre pour moi est très bénéfique. C'est une chance pour nous d'avoir les membres de l'association ISOC avec nous. Ils avaient bien dit qu'ils ne seraient pas loin, qu'ils reviendront chaque fois que ce serait possible. Ils ont tenu parole. C'est à nous maintenant de profiter de leur présence pour comprendre plusieurs choses et que ce soit vraiment bénéfique pour tous. Après Parakou, d'autres villes du Bénin vont accueillir le débat citoyen sur le développement et le futur de Internet dans les prochains jours.